Vedi che uno di sti giorni la diuda risponde come ci vuole. Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore? Il y a che me fatigue. Qui ça? Mais ta copine, Brigitte, ton amie d'enfance. J'ai publié des photos de la randonnée San Pedro. Tu sais pas ce qu'elle me répond? C'est beau, mais ça vaut pas une rando sur le Monte Cinto. Qui monte à Sega, celle-là. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est quand même plus haut. C'est plus haut, mais c'est moins beau. Oh. Après, j'ai publié aussi, j'ai vu le film de Robin Renucci, Saint-Prévy. Magnifique, très beau film. Elle me répond, je connais bien, j'ai joué dedans avec Guy Chimine. Non, mais attends. Ah oui, oui, c'est vrai, elle y était. Oui, je sais qu'elle y était. Et alors, si je publie une photo de tes fesses, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Qu'elle les a vues avant moi? Quoi? Oh non, me dis pas. Non, mais Bonnie, c'était au Maroc. Quoi, le Maroc? Mais j'avais 6 ans, elle avait 4 ans. Mais je m'en fous! Elle a vu ton cul avant moi! On était enfants, mais Bonnie... Exhibitionniste, va! Amici, c'è caduto un po'. E io sono mi dogeo. 31. Ah, diabba. Va bene. Un caffè 55. Mi ricorda la vostra gioventù, sta pistola, ne? Mi, made in China. Prima ci mandano il virus, dopo ci mandano i termometri. Mascare. E in quel caso non ci ho mica mandato i suppositori chinesi, sai? Bluetooth. Connecté. J'ai bec et tout ici à messe au tricot. Il mi piace assai, hein. J'ai belle ou non? Magnifique. Pense qu'il a dû da vendre. Qui pense? Ié. Le monstre du Loch Ness, et pourquoi pas un parisien qui laisse un pourboire? Bonne vanne, bonne vanne, bonne vanne. Bon, écoutez. Je trouve ça drôle comme blague. C'est marrant de se moquer des Parisiens. Après, quelques réclames. Ah, tiens, comment on appelle un Parisien qui sourit? Un touriste. Non, non, mais c'est un stéréotype, ça. C'est absolument pas vrai. T'as qu'à te balader à Paris 5 minutes, tu pourras t'en apercevoir. Ah ouais? Ah, parce que tu souris beaucoup, toi, peut-être. C'est la meilleure, tiens. Quand tu rentres de Paris, tu fais un mousse de 6 pieds de long. Ouais, enfin, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, c'est à cause du travail. Et le week-end, je suis décontracté. Ouf. Et les Parisiens aussi. Au village, ils sourient, les gens. Hein? Ils rigolent. On sent la joie de vivre. Hein? Mm. Dans les villes, c'est pas la même ambiance. Hein? Mais dis-moi, Madame Gambine, c'est celle qui râle tout le temps. Mm. Elle est parisienne? Oui, bon, ça va, tu as raison. Ah. C'est l'exception qui confirme la règle. Mm. Hein? À Paris, il n'y a que les touristes qui sourient. À Caragoud, il n'y a que Madame Gambini qui fait la gueule, voilà. Oui, mais moi, quand je suis à Paris, je souris. Qu'est-ce que tu en conclus? Que tu es devenu un touriste. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à Paris. Je ne serai jamais un touriste là-bas. Ça va, bébé, oh, faut y faire, hein. Depuis que tu vis au village, tu n'es plus un Parisien. Qu'à voir, tu es devenu susceptible comme un Corse. Tu veux dire que je suis un vrai Corse maintenant? Non, faut pas déconner non plus, hein. L'autre. Alors, Hollande avait fait né le 25 novembre 50 à Bastia. Che fate? Facciamo una pagina di Wikipedia. Credi di cada interessa a Carchisi? Più che ciò che tu pensi. Fa de vero? Orlando Perfetti est un homme politique et une figure emblématique de la Corse. Bah. Cosa? En tant que maire de Caragoudou, il a su redynamiser le village qui a retrouvé une grande affluence. Quale può dire contrario? Sa personnalité, son engagement, son fort attachement à son île natale et à sa culture font de lui une figure inscrite dans son temps. Quale chi può negare qui? Il y a des Pasquale Paoli. Et il aurait plutôt, je te pense, à doit. Anna Buleo. Donald Trump. Ah, il y a qu'être pouillante. Oh, qu'être pouillante, tiens. Qu'être poudante, tiens. Et ça, et
Ah, oh, la chagot. Ah, que trop snob. Que trop biloude. Ah, oh. Oh, ben, ok, oh, la chagot. Ah, qu'en est-ce qu'il y a mal? Ah, il y a, il y a, il y a. Ah, on t'a mis qu'à la cadoue, là, on t'a cuit. Ah, il t'en qu'à merde, il y a pépé, hein. Mais qu'à bâton de sa rousse. Oh, ah, il... Lâchez mon gore. Eh, bah, bah, quoi qu'à son visseuse et des visseuses, là, il y a, quoi. Ah, on t'a mis qu'à la cadoue, mais... Baba, cosa è que? Un sacco di vecchi stracci per la Croix Rouge. Che generosità! E mamma che mi ha detto di va appena di carità cristiana. Ora capisco meglio. E se do un sacco di stracci alla Croix Rouge mi dà 200 euro. Bella figura. No, ma ha ragione, mi sento meglio così. Aspetta appena. Hai detto vecchi stracci? Yeah. Un amico mio, que? No? Ma per quale mi impieghi? Rispettiamo su, e... Cosa c'è dentro? Nooo!